Si c'est bon un peu là-bas, on demande la gaffe derrière. Avec beaucoup de surprises, beaucoup d'inquiétudes et de consternation, nous avons appris qu'il y a le feu chez notre général au niveau de la cité ici. Et donc, vraiment, on a tout de suite accouru pour venir voir, pour venir l'aider, pour venir surtout le réconforter et lui et toute sa famille. Et nous voulons dire merci déjà aux riverains qui étaient là, les travailleurs qui sont venus l'aider pour déjà mettre le sable le temps que les sapeurs-pompiers arrivent. Et tout de suite, dès leur arrivée, ils ont pris les choses en main. Et alhamdoulilah, on remercie Dieu surtout parce que ça s'est fait dans la journée, cet après-midi, et ça s'est fait aussi quand ils venaient juste de rentrer. Donc on remercie Allah pour ça, on remercie tout le monde, tous ceux qui ont pu faire le déplacement, c'est-à-dire les sapeurs-pompiers, les journalistes, mais également les riverains qui étaient là, les collègues que nous sommes pour venir réconforter la famille. La police. Et il y a aussi autour de nous tous les travailleurs de la police aussi qui sont venus soutenir Monsieur le ministre. Donc, comme vous le voyez, il y a eu plus de peur que de mal parce qu'il y a eu des pertes matérielles, mais pas de pertes en vie humaine. Toute la famille se porte bien. Le ministre aussi, comme vous le voyez, ça va. Le pire est passé et donc le fait est enfin maîtrisé. Il semblerait que le coffret que vous voyez à ma gauche, l'origine de cet incendie semblerait d'être venu de là-bas. De coups de circuit électrique.